Ben c'est encore bon, voilà. Je suis revenue là après le live de Corinne. J'ai regardé son live. Enfin, je suis restée avec elle, enfin avec elle, avec vous toutes, toutes celles qui participaient au live. Ça a duré quand même 2 heures. Et maintenant que c'est terminé, ben je vais vous faire la vidéo de ce que j'ai fait. Je vous avais dit que je ferais un protège carnet de santé. Donc je vais vous le montrer. Et puis ben voilà, je le voilà, petit carnet, petit protège carnet de santé. Donc j'ai fait avec le tissu de Marie-Claude. Hein, ça, vous voyez, si Marie-Claude tu passes par là, tu vas voir que je me sers de ton tissu. Donc j'ai fait une petite pression ici, une petite pression. Voilà. Et à l'intérieur, il y a une poche ici. Et de l'autre côté, il y en a deux. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. Il y a une poche ici et il y en a une autre devant, ici. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et puis j'ai fait un petit pochon pour mettre toutes les petites lingettes que j'avais fait. Voilà. Alors le petit pochon, bon, ça c'est le petit protège carnet de santé. Et j'ai fait un petit pochon comme ça. Voilà. Donc, ça s'ouvre, voilà, comme ça. J'ai des petits rubans sur les côtés. Où est mon petit ruban? Voilà. J'ai mis comme ça. Et on resserre. Et ça fait. Et je vais mettre les petites lingettes dedans. Voilà. Donc j'ai mis aussi, alors je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est tout fin, j'ai mis la petite garniture que Marie-Claude m'avait envoyée aussi dans le colis. Il y en avait de la jaune et de la rose et moi j'ai pris la bleue, voilà, pour aller avec le petit tissu. Voilà. Donc ça fait un petit ensemble. Je pense que je vais lui faire aussi, vous savez, j'avais essayé de faire pour faire l'anti-bavouille là, le petit bavoir pour mettre sur l'épaule. Et je pense que je vais en faire un dans le même tissu. Comme ça fera tout l'ensemble. Ça fait tout l'ensemble. Voilà. Et puis je vais bien trouver d'autres idées. Hein. Je fais ça. Là, je vais couper sûrement le sac à coco avec les signes. Enfin, je pense. Je sais pas si je ou si je continue dans le bébé, je sais pas. Là pour ce soir, je vais quand même arrêter hein, parce que voilà, voilà ça. Mon petit panier commence à se rentrer parce que j'ai fait le petit tablier bavoir, le petit bavoir, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vais faire une couverture avec le tissu avec les nounours, vous savez que je vous avais montré que j'avais reçu. Ça, je vais faire aussi. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit? Je mettrai dans son panier. Je ne sais plus. Enfin, une fois que le panier est fini, qu'il y aura tout ce que je vais mettre dedans, je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, ben, cet après-midi, on a passé une bonne après-midi quand même avec Coco, hein, parce que on était assez bavardes toutes là. Et puis, ben, ça fait du bien, ça change. Et puis ben moi j'ai dit hop, je vais faire ma vidéo maintenant et puis je vais la mettre à charger. Vous allez la voir où elle n'est pas bien grande, hein, 4 minutes pour l'instant. Bon, j'ai rien d'autre à vous raconter. Donc écoutez, je vous embrasse. Bonne reprise à celles qui travaillent demain. Et puis moi, ben, je vais continuer dans ma couture parce que ça ne me prend pas la tête, hein, vous inquiétez pas, ça ne me prend pas la tête. Je suis bien partie. Bon, je remercie toutes celles qui ont donné des sites pour acheter du tissu, mais pour l'instant, je vais quand même travailler avec ce que j'ai reçu, parce que j'en ai déjà reçu pas mal, j'en ai acheté pas mal, et c'est sûr que j'aimerais en avoir toute une quantité, c'est sûr, mais il faut aussi que je fasse attention, hein, avec la retraite, c'est toujours pareil, il faut faire attention, hein, je crois qu'on est toutes pareilles. Et puis voilà, donc Coco, elle m'achète des petites choses quand elle va au marché. Et puis voilà, donc ben, je me débrouille, je fais
Mais j'aime bien ce petit pochon là. Je le regarde, je vous le remontre parce que franchement j'aime bien. Et puis voilà. Ben, sur ce, je vous laisse. Et puis gros bisous à toutes et bonne reprise. Et puis ben, pour celles qui sont comme moi à la retraite, et ben, bon repos. Allez, bisous à toutes.